regardez donc. Merci. Si c'est pas malheureux. Lucas, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, monsieur, j'ai rien entendu. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'ai posé une question. Qu'est-ce que tu fabriques en pyjama dans le jardin à cette heure-ci? C'est pas la peine d'appeler la police, papa. C'est moi qui ai fait ça. Bonjour mademoiselle, pourrais-je parler au directeur, s'il vous plaît? Hugues Soman à l'appareil. Oui, je souhaite confirmer l'inscription de mon fils, Edgar Soman. Oui, c'est ça. Non, je ne quitte pas. Monsieur le directeur, bonjour. Je vous appelle... Qu'est-ce que vous dites? D'accord, oui, merci. Tu peux pas me dire pourquoi? Edgar! Viens ici! Pourquoi tu l'as giflé? Pourquoi tu l'as giflé? Non seulement ton fils est un vandale, mais c'est aussi un fraudeur. Tu sais ce qu'il a fait? Il a écrit au collège de Rouen pour annuler son inscription. En imitant ma signature. Il a fait ça? Alors écoute-moi bien. Tu diras à ce petit voyou que je ne veux plus lui adresser la parole. Tu m'entends? C'est une grande ville et c'est pas l'idéal pour ton asthme. On ira s'installer à Cusco, la première cité fondée par les Incas. Qu'est-ce t'en dis? Ou alors à Ayacucho, si tu préfères, la ville où t'es né. Ouais, pourvu qu'on soit ensemble, tu t'en fous, hein. Tiens, bah on va passer par là. T'as vu les tournesols? Tu as un peu la gueule à cause que le soleil a foutu le camp. Mais demain matin, on va se réveiller devant une vraie petite fois de soleil. Tu verras. Thank you.
C'est beau, hein? Tiens, attends. Bon, faut pas traîner. Hein. Je te file quelques biscuits pour ton petit déj en route. Hein. Putain, que je suis con! C'était un génie, mais personne n'a acheté ses tableaux. Et ça l'a fait devenir fou à force. Et un jour, il s'est tiré une balle dans le cœur. Et il est mort. Et Théo, il était tellement triste qu'il est mort aussi. Et on les a enterrés ensemble. Pour plus qu'ils soient jamais séparés. Et ben toi et moi, on est comme eux, on s'aime aussi fort. Alors respire, bordel, faut pas que tu meurs, tu comprends? Respire! Si j'avais pas peur que ça recommence, je te prendrais dans mes bras.